Hey, comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de dingue les gars. Et oui, j'ai trouvé la concurrence ultime de ThomasLeTrain.exe. Et je vous présente Toutou Charles. Il est clairement beaucoup plus dangereux que Thomas le Train. Et pour vous en faire une petite description rapide, Toutou Charles est une petite locomotive à vapeur de couleur rouge. Il est doté de très longues pattes noires toutes poilues. Et c'est ce qui lui permet de pouvoir se déplacer librement où il veut et quand il veut, sans la limite des rails. Bah parce que oui les gars, un petit train normalement ça circule que sur les rails, mais Toutou Charles lui c'est pas son problème, il peut clairement se balader où il veut et ça très rapidement, ce qui le rend vraiment très redoutable. En plus de ça, et ce qui fait vraiment flipper les gars, c'est qu'il a les yeux tout blancs et sa bouche est bordée de dents tranchantes remplies de sang. Et ouais les gars, là je vous le dis, c'est clairement bien plus pire que ThomasLeTrain.exe. Alors ce que vous devez savoir, c'est que Toutou Charles provient d'un jeu vidéo et le problème c'est qu'il se serait apparemment échappé du jeu les gars. Et oui, il aurait été aperçu dans la vraie vie et c'est ça qui pose problème les gars. Le pire dans tout ça, c'est qu'apparemment Toutou Charles s'introduirait dans des gares pour effrayer les voyageurs. Et oui, il n'a clairement aucune limite et il a même la capacité de détruire et de dévorer d'autres trains remplis de voyageurs. Et je trouve ça vraiment fou les gars. Alors bon, moi par rapport à ça, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mener quelques petites recherches personnelles de mon côté. Et figurez-vous que je pense avoir trouvé un moyen de rentrer en communication avec Toutou Charles. Alors on va essayer de l'appeler, on va essayer de rentrer en communication avec Toutou Charles les gars. Et on va voir ce qui peut se passer. Et allez, let's go, j'appelle les gars, c'est parti. Franchement, je vous avoue, j'ai un peu d'appréhension, mais d'un côté je suis quand même bien curieux d'essayer d'en savoir un peu plus à propos de ce fameux Toutou Charles. Allez, j'espère que ça va répondre. Déjà, j'espère que c'est le bon numéro, le bon contact de Toutou Charles. Allez, on croise les doigts les gars, on croise les doigts dans les commentaires. Allez, faut que ça réponde, allez. Oh non. Bah je crois que ça fonctionne pas, enfin ça répond pas les gars. Oh. Oh, regardez. Non, il me rappelle. Attendez, j'ai essayé de l'appeler, ça n'a pas répondu. Mais là, il me rappelle. Ok, bah on va répondre. Bah oui, allez, on répond, je réponds. Allô, Toutou Charles? Toutou Charles, c'est toi? Oui, c'est bien moi, Toutou Charles. Mais toi, qui es-tu? Écoute, moi je me présente, je m'appelle RobTech et j'essaye d'enquêter sur toi. Et oui. Toutes les personnes qui ont osé enquêter sur moi ne s'en sortent pas vivants. Bah détrompe-toi parce que je peux t'espionner de différentes manières possibles. Et oui, je possède un drone. Et oui, avec mon drone, je peux t'espionner où je veux et quand je veux. Je me ferai un plaisir de te dévorer, toi et ton drone. Mais tranquille, mais reste tranquille, non? Tu finiras comme toutes les personnes qui ont osé se confronter à moi. Bon, ok, je raccroche. Non, les gars, j'ai raccroché. Désolé, j'ai pas assumé jusqu'au bout. En tout cas, pour ma part, vous vous doutez bien que je peux pas m'arrêter là. Je suis bien évidemment équipé du drone. Et oui, les gars. Et je vais prendre le risque d'essayer de survoler la station des trains la plus proche pour tenter de capturer Toutou Charles avec le drone. Ça peut être incroyable. Ça peut être vraiment très intéressant. En tout cas, je prends vraiment beaucoup de risques. Alors, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un maximum de likes sur cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas encore déjà fait. Et sur ce, on va pas perdre plus de temps et je vais directement survoler la gare la plus proche pour tenter de retrouver Toutou Charles. Ça y est, je suis prêt les gars, j'ai déjà fait décoller le drone et là maintenant on va directement se diriger vers la station des trains pour essayer d'espionner Toutou Charles les gars. En tout cas, je vous avoue, j'ai pas trop la confiance, mais je compte sur vous. N'hésitez pas à me donner un maximum de force, un maximum de soutien dans les commentaires. Là les gars, va en falloir du courage. On parle quand même de la locomotive la plus dangereuse au monde. Et alors là, ça y est, on y est. Regardez, je vais essayer de zoomer un petit peu. Et comme vous pouvez très bien le voir, j'ai pas choisi n'importe quelle gare. Je me trouve actuellement dans une station de train abandonnée. Enfin, elle est pas vraiment abandonnée, mais elle est actuellement hors service, les gars. Et je crois qu'elle est hors service parce qu'elle est en train de subir des travaux. Et oui, il y a beaucoup de réparations, il y a beaucoup d'entretien. Et je crois que du coup, bah, elle est complètement hors service. Il n'y a plus aucun train qui circule. Et là, ça se voit, les gars. Regardez, il y a des trains qui sont hors service. En tout cas, ça me semble intéressant. On va essayer de s'y approcher. Et pour ma part, la mission, là, les gars, ça va être d'essayer de trouver le moindre indice qui pourrait nous mettre sur les traces de Toutou Charles. Allez, regardez, on va essayer de s'approcher de tout ça, les gars. En tout cas, ça se voit, cette station de train est actuellement en travaux, les gars. On peut voir, il y a des matériaux un peu partout. Allez, gardons patience, les gars. En tout cas, moi, j'y crois. Allez. Toutou Charles, où es-tu? Toutou. Oh, attends.
Attends, mais c'est quoi ça, les gars? Mais regardez, il y a comme une petite maisonnette. Intéressant tout ça, hein. Et c'est probablement l'habitation de Chouchou Charles. Bah, on sait jamais, les gars. Ok, je vais essayer de survoler tout ça. On va essayer de s'y approcher. Oui, oui, on va s'approcher, les gars. Ah, je suis curieux. Je vais essayer de m'y approcher, les gars. Bon, on va faire attention. On va y aller tout doucement. Oui, oui, j'y vais tout doucement, les gars. Ok. Je baisse tout doucement l'altitude. Tout doucement. Oh non, la dinguerie. Ok, on l'a tous vu. Là, on l'a tous vu, les gars. On n'a rien raté. Non. Oh, la dinguerie. Eh ben oui, ben voilà. Mais je m'en doutais, les gars. Il est passé à toute vitesse. Non, mais c'est un truc de ouf, les gars. En tout cas, on est sur la bonne voie. Oui, oui. On a actuellement retrouvé Chouchou Charles. Ok. On va rester concentrés, les gars. Je vais essayer de garder mon calme, en tout cas. Ça m'a surpris. Eh oui, c'est réellement son lieu de vie. Non, mais il est passé à une vitesse que j'ai même pas eu le temps de le suivre. Je sais même pas où il est parti. D'autant plus qu'on le sait, hein. Lui, Chouchou Charles, il peut se déplacer où il veut. Et quand il veut, c'est-à-dire qu'il n'est pas limité par rapport au rail des trains. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment inquiétant, les gars. Attendez, où il est là? Oh là 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 là. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est sur la bonne voie, les gars. Là, ça, il n'y a plus aucun doute. On l'a vu. En tout cas, on l'a vu, les gars. Franchement, je suis trop content. Attendez, je vais essayer de me concentrer. Ok. Oh non! Oh la dinguerie! Non, il vient de passer comme ça juste devant le drone! Eh les gars, c'est pas croyable! C'est pas croyable! Ça y est, on y est! On est réellement à la station de train de Chouchou Charles! Mais attendez, je me pose la question! Quel est le plus rapide entre Thomas le train et Chouchou Charles? Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant! Eh, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais il est vraiment rapide! Il est vraiment, vraiment très rapide, les gars! Laissez-moi essayer d'observer un peu partout! Bon, attendez, mais qu'est-ce qui se passe là? Eh les gars! Non mais, c'est moi ou il y a des agents de sécurité? Mais oui les gars, regardez, il y a des agents de sécurité qui ont été déployés. À mon avis, c'est à cause de Chouchou Charles. Ça, il n'y a aucun doute les gars. Non mais attendez, qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils sont à la recherche de Chouchou Charles. Et oui, il est recherché, bah oui, c'était sûr. Il est recherché par la police. Ça, il n'y a aucun doute. Ça, il n'y a aucun doute, les gars. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Ok, nous, on va continuer nos recherches. Allez, en tout cas, après tout ce qu'on a pu découvrir, les gars, c'est vraiment, vraiment pas le moment de s'arrêter là. Les gars, je suis comme un fou. Je suis comme un dingue. Et là, j'ai bien envie d'en savoir encore beaucoup plus à propos de Chouchou Charles. Les gars, attendez. Wow! Non mais quoi? Il vient de repasser! Bah oui, il vient de repasser sous nos yeux les gars! À mon avis, il essaye d'échapper aux agents de sécurité. Oh, là franchement, j'ai l'impression que c'est le jeu du chat et la souris ou quoi? Attends, mais c'est un truc de fou. Là franchement, c'est un truc de fou ce qui se passe. Mais le truc, c'est qu'il est tellement rapide qu'on a à peine le temps de le voir juste une demi-seconde les gars. En tout cas, bon courage aux agents de sécurité. Ah bah oui. Là, ils vont galérer les gars. Vous savez quoi? Je vais essayer de baisser mon altitude un maximum les gars. Ça peut être intéressant et... Oh, attendez. Non. Attends, qu'est-ce qui se passe? Non, je crois que j'aurais pas dû baisser autant mon altitude. Non, non, c'est pas possible. Les gars, j'ai plus de signal. Non, les gars, j'ai plus aucun signal. Mais faut que ça revienne, il faut que le signal revienne, les gars. Allez. Ah, oh, c'est bon. Ça y est, le signal est revenu. Wow! Et là, j'ai vraiment, vraiment eu beaucoup de chance! Et je sais pas ce qui s'est passé, les gars. En tout cas, je crois bien que Chouchou Charles a la capacité de brouiller tous les signaux. Et c'est pour ça que j'avais plus aucun contrôle sur le drone, là. Franchement, ça m'a fait flipper. Ok, on va pas baisser les bras, les gars. Non. C'est pas ce qui va m'arrêter. Attendez. Et oh, wow! Là! Ok, mais les gars, il va dans tous les sens. Il est très actif, les gars, il va dans tous les sens. À mon avis, je crois qu'il doit pas apprécier la venue du drone. Ah non. Ah, je crois qu'il aime pas du tout le drone. En tout cas, il est très malin parce que dès à présent, il emprunte uniquement les voies ferrées qui sont complètement à l'abandon. Mais regardez, ça se voit, les gars. C'est les voies ferrées qui sont plus du tout entretenues et que plus aucun train ne peut circuler dessus. Mais lui, Chouchou Charles, pour lui, c'est pas un problème, les gars. Bah, parce que oui, lui, grâce à ses pattes, il peut se balader où il veut et quand il veut. Et là, regardez, c'est assez spécial parce qu'on peut voir que les voies ferrées continuent sur les routes. Et là, je crois que ça continue même dans un entrepôt, les gars. Mais oui. Là, je crois qu'on est actuellement en train de survoler un entrepôt. Et à mon avis, Chouchou Charles aurait l'habitude de se cacher dans cet entrepôt. Oui. Ok, on va survoler tout ça, les gars. En tout cas, on va continuer à suivre ses traces. On va pas le lâcher, les gars. Non. On va pas le lâcher de toute façon. Vous le savez, rien ni personne ne peut échapper au drone. Attends. Oh, les gars. Je l'ai vu, là. On l'a vu.
On l'a vu, je crois bien qu'il essaye d'échapper au drone, les gars. Oui, 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 il essaye de s'en tirer. Attendez, mais qu'est-ce qu'il fait? On va le suivre, les gars, on va pas le lâcher. Oh, mais il vient de traverser la route. Bah oui, il vient de traverser la route sous nos yeux, là. Mais ce qui est vraiment, vraiment incroyable, c'est qu'il peut se balader où il veut. Et c'est ça qui le rend vraiment imprévisible. Non, mais là, c'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Je crois qu'il est retourné dans les voies ferrées. Alors là, en tout cas, on l'a très, très bien vu. Il a traversé la route et il est retourné dans les voies ferrées. Mais à mon avis, il s'est caché dans les buissons. Bah oui, les gars. On va le retrouver, les gars. Je suis confiant. On va le retrouver. On va continuer à le chercher. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou malade, les gars, ce qui se passe. Attendez. Oh, il y a les agents de sécurité, les gars. Ah. Ok, 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 on va s'approcher des agents de sécurité. Je pense que ça peut nous aider, ouais, ouais. Je pense que ça peut nous aider, ok, on va s'y approcher. Et ils sont là, je vais essayer de zoomer, les gars. Oh, et ouais, et j'ai comme l'impression qu'ils installent des pièges sur les voies ferrées pour essayer de capturer Chouchou Charles. Ben oui, les gars, et ça, c'est pas une si mauvaise idée que ça, les gars. Bon, en attendant, nous, on va continuer nos recherches. Les gars, c'est pas terminé. Je pense qu'on n'est pas encore au bout de nos surprises. Attendez, et regardez, là, juste à côté de la gare, il y a une usine. Pourquoi pas essayer de survoler l'usine aussi? Non, parce que c'est assez spécial, en fait. Regardez, dans cette usine, il y a des voies ferrées. Et oui, oui, on le voit, il y a des voies ferrées, les gars. Donc, je pense que c'est très, très probable que Chouchou Charles se cache dans cette usine, les gars. Attendez. Regardez. Mais voilà. Mais je le savais. Non, mais je le savais. Non, mais c'est un truc de fou. Je l'ai vu passer. Je l'ai vu passer. On vient de le voir. On vient de le voir passer sous nos yeux. Mais c'est un truc de malade. C'est un truc de fou malade, les gars. Attendez, attendez. On le tient. Oui, oui. On le tient, les gars. Attendez. Là, 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 là. Oh, 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 oh là là, la dinguerie. Oh, là, c'est un truc de ouf. Là, c'est un truc de fou ce qui se passe. Il a clairement la possibilité de se cacher où il veut. Non, mais c'est un truc de malade, les gars. Attendez. En tout cas, cette fois, je vais pas faire la même erreur. Je vais pas baisser mon altitude parce que là, on sait jamais. Il peut clairement s'en prendre au drone à tout moment. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les gars. En tout cas, je suis vraiment, vraiment surpris de ce qu'on a pu observer aujourd'hui, là. On a bel et bien retrouvé l'habitation réelle de Chouchou Charles, les gars. Bah oui, je suis vraiment, vraiment surpris. En tout cas, pour aujourd'hui, on va se calmer, les gars. Ouais, ouais, on va s'arrêter là. Je pense qu'on en a déjà assez vu. En tout cas, restez bien, bien connectés si vous ne voulez rater aucune des prochaines vidéos au sujet de Chouchou Charles. Pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications. Ça vous permettra de ne rater aucune des prochaines vidéos au sujet de Chouchou Charles. Et oui, les gars, c'est que le début. Sur ce, on se laisse sur ça. Je vous fais plein, 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 plein de gros bisous. Allez, ciao.